Gaza. Ensuite, hier soir, on a attaqué l'un des symboles de l'état de droit en Haïti. C'est-à-dire, c'est la consternation totale. Et hier soir, franchement, et on n'a pas dormi au niveau du gouvernement. Je parlais à plusieurs reprises avec le président de la République, et ministre de Justice et tout au état-major de la police. Là. Et là maintenant, nous allons faire une réunion Kounia, tout ça. Et ça qui peut frapper maintenant, c'est que ça va bien longtemps que j'ai discuté avec Batonia sous insécurité au bas de la ville et plus précisément dans la zone du palais de justice. Et m'a dit que l'insécurité, c'est son sujet national et au cas attaqué n'importe qui monde, n'importe qui l'heure, n'importe qui côté dans le pays. Et hier soir, l'homme tendé, c'est dans la cour la caille, que ces malfrats là, et aller pour attaquer jusqu'à ce qu'ils atteignent ville, bon, pas besoin de vous qui choque et que ça fait sous moi, et m'a profité, et encore une fois de trop, et présenter mes sympathies et mes vives condoléances et à toutes les familles endeuillées et par ces vagabonds et ces bandits qui font la loi dans le pays. C'est ça. Alors, Premier ministre, naturellement, on est autorité, on est numéro 2 de l'exécutif, président du CSPN, le Conseil supérieur de la police nationale. Pendant ces dernières 72 heures, nous, c'est environ 4 cas d'assassinat crapuleux qui fait en plein jour. Et gain des citoyens qui estimaient que ils ont livré à eux-mêmes, c'est tant que c'est la démission de l'État et c'est chaque coucou que les répouger. Ou pensez citoyens que pensez comme ça à l'étoile fort, non? Bon, et écoutez, là on est à choc et ou capable de penser et tout sauver. Moi comprendre que les citoyens ils ont le ras-le-bol de ce qui se passe dans le pays et ceci à tous les niveaux. Mais m'a rassuré que l'État pas démissionner, l'État à côté. Yo. Parce que, nous avons un proverbe qui dit si chien raconte au rêve, ou pas marcher dans la nuit. Alors que chien, il là, il n'a pas dormi. Chien, avait dit, chien pas qu'à rêver. Il avait dit, nous pas rêver, n'a pas travaillé. Et franchement, n'était-ce pas. Et en pile effort que nous faisons déjà, bien entendu, m'a d'accord avec ni nous-mêmes, ni population, que c'est pas suffisant. Parce que nous pouvons arriver. Dans le côté pour nous d'agir satisfait de l'effort qu'on a fait. Mais nous-mêmes dans l'État, au niveau de la police, et aussi la population aussi, a déployé beaucoup d'efforts et pour soutenir l'État dans le travail qu'on a fait. Mais je ne dis pas que la population n'a pas de raison, mais c'est la consternation totale. Et là maintenant, on est obligé d'encaisser, quelle que soit réflexion, quelle que soit considération que y a fait. Et même avant, on m'a d'accord avant que, et franchement, ça dépasse la mesure. Bon, en tout cas, et parce que nous avons des constats qui sont vraiment criants, et Premier ministre, je dis à vous, il y a des gangs qui a mis tête ensemble. Ça veut dire qui a fédéré tête. C'est quand même du jamais vu, pour le moins dans l'histoire récente, pays. Est-ce qu'on pas quoi, tu as dû gagner plus offensive de l'État? Dans logique pour nous combattre l'insécurité, pour nous ramener la confiance au niveau de la population, Premier ministre. Moi, je crois mieux que ça. Vous parlez d'offensive, moi-même, je parlais de marcher sous yo, prend yo. Mais ce qui arrive, c'est que lorsqu'on parle de guérilla urbaine, ça vient avec beaucoup de complications. Par exemple, vous attendez que nous prenons une décision pour rentrer dans le village de Dieu, à le déloger, et le fameux gang qui est dans la rue, qui a fait vidéo, mettez sous mon main. Et nous, gagnons, et les organisations de droits de l'homme qui montaient au créneau, bon, bien entendu, il n'y a aucun raison tout, parce que moi-même, toi, en tant que Premier ministre, moi, peur d'une victime collatérale. Et même j'ai avec eux, moi, peur ça tout. Et ce qui arrive, c'est que c'est une arme à double tranchant. Et vous provoquez, vous pouvez sortir ou pas sortir. Et là, maintenant, on rend nous compte que ils ont sorti sous l'autre gens. OK, mais comme la police a toujours fait enquête et de toute manière on a procédé avec que ces derniers temps nous pas gagné l'enquête se poursuit, n'a pas mettre en collecte quand même, mais pertes que nous faisons, les pertes en vie humaine, nous pas chambre qu'à remplacer malheureusement. Bon, puisqu'on parlait d'une réunion au sommet, c'est autour de la problématique de l'insécurité. Exactement, sur ces quatre cas. Les quatre derniers cas, parce que, après que moi t'ai fini une déclaration en public, bon, et, ou qu'on est tout le monde élevé, ou pas content, le fait que,
moi t'ai adressé problème nan en public Jean Leteyer, ben malheureusement, yo pas dans situation, yo pas dans position, yo pas connait qui Jean que m'a souffri avec ça, mais la police t'est levé pied, la police t'est fait de coups assez spectaculaires comme ça. Et là maintenant, et bon, moi pas crié victoire, mais moi t'ai un minimum de satisfaction de performance des autorités et placées dans le pays pour mettre l'ordre pour protéger vie et bien. Mais là maintenant, yo frappé yon l'autre gens. Parce que même gens nous même n'a réfléchi dans l'état qui j'en a fait pour nous colter avec yo, mais yo même tout y a réfléchi on est qui brèche y a besoin ou bien qui ça va le créer et pour ban problème. Mais nous pas baisser les bras. Mais pour mettre la population, et moi je dis ça haut et fort, m'a continué travail, m'a continué réfléchir, n'a pas gardé qui stratégique pour nous mater l'insécurité dans le pays. Mm-hmm. Et avant de libérer OPM, naturellement, il y a des gens qui croient que nos solutions pas pour demain, et parce que le secteur d'en face là, il est fort. M'a parlé de monsieur qui armé yo. Et bon, nous connaissons Haïti, c'est un pays qui produit des armes, c'est un pays qui produit munitions, mais il n'y a pas de problème en alimentation. Et puisque c'est l'État qui gagne contrôle territoire là, les douanes, c'est l'État, en fait, il y a des gens qui parlaient de complicité, M. Sayo, avec autorité, avec des gens qui sont dans la classe politique, etc. Alors, nous pas réfléchi sur l'aspect ça comme un handicap PM, non? Bon, nous réfléchissons à l'aspect, mais Mabzou, l'État dans tous les pays du monde, et l'État est bourgeois. Ça veut dire l'État n'est pas capable de chita pour quitter le monde, à détrôner, à prendre place, à remplacer. Moi, je ne dis que, moi, pas d'accord que l'on dit que M. Sayo de connivence avec des gens qui sont au pouvoir. Voilà, par exemple, moi-même, je ne pas de connivence et avec bandit. Et président Jovenel, assez souvent, nous parler sur ça, et encore matin, nous parler sur ça encore. Nous pas de connivence avec bandit. Et moi, pas dit non plus que y a un leader politique qui de connivence avec bandit, parce que leader politique que moi connais, yo, parce que m'a toujours dit moun que, et moun qui n'a opposition, en pile nan yo ses amis, en pile nan yo m'pon parle avec yo, mais pas connais que yo de connivence avec bandit. Mm-hmm. Mais besoin que tout le monde comprenne tout, que comme les hommes sont commerciés même j'ai avec gaz, même j'ai avec drogue, même j'ai avec du riz, même j'ai avec n'importe l'autre. Alors, sauf que c'est l'État qui contrôle les frontières, PM. Moi, d'accord. Mais on va les douanes. Non, les douanes, on va regarder Saint-Marc, nous fait des saisies spectaculaires l'autre jour, et nous saisis plusieurs fois tout dans un wharf qui gagne et dans la phyto. Et chaque côté où vini me saisir qu'on y a là m'a installé des dispositifs pour contrôler plusieurs côtés dans frontière là qui gagne munitions et c'est plus munitions qui passent dans frontière là mais n'a mettre sécurité tout côté pour mettre sécurité mais son j'aime dire que ou a réfléchi sur un sujet yo même tout y a réfléchi sur l'autre sujet parce que pas oublier que l'insécurité tout comme la drogue sont bagages qui transnational ça veut dire ou a recevoir des armes tout côté. Et côté aux jeunes pour vendre, il y a toujours une vendre là. OK? Ça veut dire, n'a pas travaillé sur ça. Et moi, comptez tout sur support tout leader politique qui est dans le pays. Hein? Tout comme moi, comptez sur support population hein? Qui pour continuer à ben, l'information. Et la police là lui-même pour le mettre sur l'entraille, pour le faire d'oublier. J'ai la loi, pas le prérogative pour faire. Et en guise de conclusion, c'est Marcel Joseph qui administre une dernière question, Premier ministre. Bonjour, Premier ministre. Premier ministre, c'est par rapport à ce que vous dites là, parce que je ne suis pas un bon appel, où vous dites que, ou même, ou pas de connivence avec bandit, bien sûr que le président non plus. Cependant, il y a des rapports qui incriminaient un certain nombre de personnalités, parmi lesquelles Barbecue, Jimmy Chérizier. Alors, je pose aux questions, qui ça qui expliquait que monsieur introuvable, alors que tout récemment, pas songer sous t'es un premier ministre, et que monsieur t'es participé dans la distribution, la police a fait, alors que t'es déjà gagné des rapports qui t'es incriminé, monsieur, et tout récemment encore, nous ouais que gagné des rapports internationaux qui sortent. Qui ça qui expliquait que monsieur toujours en circulation, premier ministre? Comment est-ce capable de justifier que l'État n'a pas de connivence avec lui, alors que lui en circulation, est-ce que lui est introuvable? Bon, c'est pas que l'introuvable, mais je sorte élaborer sur ça déjà. L'on est caché en tant que communauté.
OK, et nous connaît monsieur Sayo, yo nan volé, yo nan kidnapping, yo gen cop nan men yo et yo onti gens et fidélisé et certains mauvais éléments qui bon côté. Mais gen yon, la grosse partie de la population, gon grosse tranche de la population en tout qui peur. OK, et là encore m'a concédé ça, c'est que l'État et pas rempli rôle li gens supposé remplir nan niveau quartier Sayo. Mais c'est pas que l'introuvable, mais là où il t'a distribué manger avec les policiers, les policiers ça eu connait alors il a répondre question inspection générale parce que depuis le ça t'es mon mandat et contre lui et moi-même ce fameux et barbecue m'a regardé le quelque temps pour le premier ministre, mais m'a regardé monsieur quelque temps et son policier qui était en rébellion il a révoqué qui j'ai été révoqué est-ce que pas prendre armes on amène comment faire venir tout nos chefs de gang. Ça, faut me regarder l'historicité de l'histoire où moi ça le taille exactement. Mais l'État, la police, a cherché, et moi connais, il y a mettre mes sous lit quand même, parce que la pluie m'est tombée à 3h du matin, il y a un monde qui mouille quand même. Avec dit, il y a privé quand même. Merci PM. Merci Premier ministre. Merci en pile, et salutations encore aux panélistes. Sénateur Paul Denis, merci en pile, parce qu'on était pour un petit temps pour tendre demain. Député d'Haïti, idem, et M. Renoir. Merci beaucoup. Merci. Merci.